Salut à tous les amis, c'est Captain Price Nawak. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Un nouvel épisode de Assassin's Creed Odyssey, le DLC Le Sort de l'Atlantide avec Cassandra. Épisode 2, on est avec... comment il s'appelle déjà? Hadès. Oh là là, Hadès et les enfers. Et donc, la dernière fois, on s'était occupé du Cyclope, on avait aidé Phoebe qu'on avait retrouvé ici, ce qui était assez étonnant. Et voilà, voilà, on avait changé la tenue de Cassandra encore une fois, on va les changer plusieurs fois. Et en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on récupère l'armure de déchu, je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûre. L'armure de déchu, oui. Avec cette armure, on pourra franchir les voiles du Tartare. Donc là, on va aller retrouver Elpenor. Et on va aller l'aider à récupérer les gantelets. Quand on aura la tenue au complet, ben on la passera bien sûr. Hein. Donc on va aller s'occuper de ça. Qu'est-ce que vous en dites hein? Moi je trouve que c'est plutôt bien. Donc vous savez, comme je vous l'avais dit déjà dans ce DLC là, dans cet épisode là, je peux pas m'occuper de l'annexe en off. Parce qu'apparemment quand on se promène, on rencontre des personnages comme ça avait été le cas avec Phoebe. Du coup je préfère... dans une zone rouge maintenant. Du coup, je préfère ne pas faire ça et vous attendre pour faire les quêtes avec vous. Wouh ! On voit que dalle. Elle est en train de tomber, hein, Cassandra. Alors, comment allez-vous? Parlez-moi un petit peu dans les commentaires. Dites-moi un peu comment ça va. Ouah. À quoi vous jouez en ce moment? Tous ces rats. Trésor de Chronos. Je sais pas pourquoi Knokos, j'ai envie de dire Knokos, ma foi. Non, trésor de Chronos. Oh punaise, j'arrive pas, il veut pas. Alors attendez. Ah voilà. Jouer à deux Assassin's Creed en même temps, ça le fait pas. Et après on sait plus. Alors, piller les trésors. Donc c'est encore un espèce de... Qu'est-ce que c'est ça? Ça me dit rien qui sent bon. Cassandra, content que tu sois venue. J'ai longtemps hésité, crois-moi. Je gagnerai ta confiance, tu verras. Cette porte va nous mener au trésor de Chronos, où se trouvent les gantelets que tu cherches. J'ai la clé sur moi. Si tu veux que je te fasse confiance... Il va falloir être franc avec moi. D'où tiens-tu cette clé? Hadès m'a déjà chargé de nettoyer le trésor. C'est sans danger de voler Chronos. Qu'y a-t-il entre Hadès et toi? Ce n'est pas très malin de voler les titans. Les titans n'existent plus. Il n'y a aucun mal à employer leurs outils pour en finir avec le maquignon. Comme ça, tu fais le ménage pour Hadès maintenant? J'aime travailler pour lui à l'occasion, voilà tout. Considère-moi comme son élève. J'ai du mal à imaginer Hadès en mentor. Tu es très loin de tout savoir à propos d'Hadès. J'aurais besoin de ses gantelets pour attraper le maquignon. J'en suis conscient. Par conséquent, je te servirai de guide particulier dans le trésor. Réglons ça au plus vite. Bien sûr, Mystios, tout ce que tu voudras.
Je n'ai absolument pas confiance en lui. Ah, plus sois du milieu, très prudente. Les prisonniers du Tartare ont déjà attaqué cette grotte. J'avais oublié qu'on ne one-shot pas ici. Ah, il me suit, lui ? Mais non, vous m'avez pas vu. Il faut aller où, là ? Ah, il y a une autre porte. Ok. Ouais, vous m'avez vu, on s'est vu, tout le monde s'est vu. Il doit être possible de dégager le passage depuis l'autre côté. Ah, je voulais faire ça discrètement. Ah, monsieur! Et les deux autres là-bas n'ont rien vu. Donc tu m'as dit quoi? Il faut dégager le passage de l'autre côté. Donc faut faire le tour. Faire un peu d'escalade pour m'aider à passer. Je pourrais, oui. Ou peut-être pas. Je verrai bien une fois sur place. Alors. Je vais essayer de ne pas mourir. Qu'est-ce que c'est là-bas? C'est des flèches? Alors, il y a un serpent là déjà. Il faut que j'aille où? C'est bien beau de faire de l'escalade, mais si je sais pas où je vais, ça va pas le faire. Donc déjà, là, tout droit, je crois que ça sert un peu à rien, je sais pas. On va aller là. Alors là, si je saute, elle va pas mourir au moins. Ah non, ah ouais, d'accord. Ok. Donc là, si je saute ici, là-bas, là-bas, je monte là. Parce qu'on dit que je passais par. Ok. Je sais pas, on va essayer. Ah, j'ai eu peur. Je suis où là? Ah madame, qu'est-ce que tu m'as fait? Allez monte. Ah tu montes pas là? Ah madame.
Là, tu montes. Oui, là, tu montes. J'espère que tu es en train de dégager le passage. Oui, je vais aller le dégager le passage, mais avant je voulais vérifier. Bon, je pense que ça, ça doit être derrière. Là, j'ai fait le tour, ok. Bon. On va voir. Ah, je l'ai pas vu, lui. Aïe, 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 aïe. Ok, alors. J'ai plusieurs chemins. J'ai là. Ok, j'ai que de gros monsieur, un petit monsieur et un gros monsieur. C'est tout. Non mais sérieusement, hein? Ok, bon. Ça ne bouge pas. Alors, je suis en train de me perdre, moi, là-dedans. Hein. Quelque chose bloque. Encore? Ils sont où? Mais c'est sérieux là? Il n'y en a pas d'autres? Ok, donc là, j'ai ouvert. Là, j'ai ouvert aussi, c'est ça? Oui. Bien joué. Dégage la voie que tu as de joindre. Parfait. Maintenant, direction le trésor. J'aurais pu aller prendre le trésor sans lui, en fait, hein, je pense. C'est une bonne situation, ça? Travailler pour Hadès? Ah, c'est une bonne situation, Scream. Mais encore? Vous savez, je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Les contes sont loin de rendre justice à Hadès. Petite référence à un film que vous connaissez. Je vous en prie, marquez-le dans les commentaires. Et de la mort.
Il est tout ce que j'aspire à être. On va se libérer les passages au cas où. Je sais pas. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais dans le doute. Ah ah ah! Je t'ai pas vu, toi. Ah ouais, le peignoir, t'es un peu au milieu. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me dit que comme ça c'est trop facile. Ah, tu veux pas les récupérer ceux-là? Non, tu veux pas? Trésor de Chronos. Il y a caché toutes ses possessions hors du regard des fils qui, selon la prophétie, devaient l'éliminer. C'était mon histoire préférée quand j'étais petite. Tous les mythes, toutes les épopées qu'on nous a contées au fil des générations étaient réelles. Ils se déroulaient sous nos pieds. Et aujourd'hui, nous jouons parmi les dieux, ensemble. Trouvons ces gantelets, d'accord? Par ici. Merci, je vais les prendre. Ces gantelets m'aideront à franchir le voile. Merci pour ton aide. Oh, ce fut un plaisir. Très bien. Fichons le camp d'ici. Quelle bonne équipe nous formons. Retrouve-moi au temple perdu de Nyx quand tu seras prête à affronter le Maquignon. Ça, c'est tout? Le serpent fait sa mue. Ouh, je crois qu'on va se téléporter. La téléportation. Parce que là, il faut que je fasse l'effort de me rappeler du trajet. Ah oui. Il est là. Alors, du coup, au niveau des quêtes, on en est où? Alors, inventaire. Gantelet de déchu. 21% de dégâts de chasseur. Protection de 10% santé max dans les failles du tartare. Ok. Donc, va falloir les améliorer, non, parce que c'est au niveau 74, donc ça c'est bon. Ok. Ensuite,
4. Donc le serpent fait sa mue. Elpenor a demandé à Cassandra de retrouver au temple perdu du Knyx lorsqu'elle aurait trouvé l'armure du déchu. Le moment était venu de préparer un plan afin de renvoyer le machinant. Ouais, non, mais. Ah, d'accord. Ouais, il me manque encore des choses. Hein. J'ai pas l'armure du déchu au complet. Donc on peut pas continuer pour l'instant cette mission. Il va falloir faire les autres et trouver le reste de l'armure. Alors ici, on a garde déchu des enfers. Afin d'en finir avec le désordre qui sévit dans les enfers, Hadès exige de nouveaux gardes pour ses portes séparément. Aucun d'eux ne valait Cerbère, mais ensemble, ils feraient l'affaire. Trouver et recruter les 4 gardes déchus pour Hadès. Hadès veut avoir pour garde Héraclès, Achille, Persée et Agamemnon. Eh ben punaise, il est possible de les suivre grâce au menu des déchus. Leur position est révélée par la mort d'autres déchus. Ok. Récupérer tous les éléments de l'armure du déchu. Donc l'empoisonneur déchu, Epictetos, Deianeira, oh là là, et l'espadon détiennent les éléments de l'armure. La leçon suivante, trouver et récupérer les visions de la gardienne. La première est dans la partie du sud de l'abîme du tourment, dans la tanière du jugement. La deuxième est dans la partie est des chambres des pleurs, dans la salle de... des maniers ou des maniaï peut-être, je sais pas. Le troisième est dans la partie sud des terres brûlées, dans la grotte natale de Chronos. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si je me mets là-dessus, qu'est-ce que ça me dit? Les déchus. Ah, l'empoisonneur, tiens. Allez, on va essayer d'aller tuer lui. On va se téléporter. Il est où? Il y a plein de trucs que j'ai pas découvert. Ah, il est là. Ah bah tiens, on va aller là. On va se téléporter. Ah mince. On va se téléporter là. Et on va aller là-bas. Allez. Ouais. Alors, est-ce que je vais pouvoir traverser à l'aise ou pas? J'ai un point un point de vue, une bonne synchronisation à faire là dans le coin. Je peux aller dans l'eau ou je vais me faire bouffer par des requins? Ah, le point il est là-bas. Alors avant d'aller faire le monsieur, je voudrais qu'on fasse le point, pour qu'on puisse se téléporter à volonté.
champ des fleurs. C'est quoi? C'est une tempête de feu? On voit rien. Ça m'a fait un saut du turfu pour pas grand chose. Ah mince, où je suis là? Ah! Et oui, ça c'est quand on voit rien. Une espèce de lac empoisonné. Avec le bruitage, on dirait qu'on est dans Walking Dead. Le puits de Tion. C'est sacrément moche, hein. Je fais pas semblant. Ok, alors en fait, de ce que je comprends là, tous les espèces de petits points d'eau qu'on voit sont empoisonnés et le gars qui s'appelle l'empoisonneur se trouve là forcément, sinon c'est pas drôle. Ok, tu veux des piles? Y a rien ici? Non. Et oui, c'est encore plus drôle si on te balance des bourrasques devant et que tu vois rien, n'est-ce pas? Allez, on va tuer les serpents. Ah bah oui. Ah bah oui. Apprendre à viser. Efficace et silencieux. Ah merci, Caros. Alors, ah, mais l'empoisonneur, c'est... Oh, c'est celui que j'avais galéré à tuer, non? Oh, punaise. Alors, je suppose que ça doit être blindé de... de serpents, là, dans le coin. Et le gars, il est où? L'empoisonneur d'Athènes. Ouais. Ok. Bon, qui fait semblant de chercher quelque chose dans sa vie. Je peux pas l'avoir de là. Une de sac à PV. Bah, il reste plus grand chose. T'es où mon gars? T'es un peu loin là, non? Bah allez, viens par là. Non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Mais où il va? Ah mais il cherche pas du tout au bon endroit. Hein.
Mais pourquoi tu pars là-bas? Je suis là. Malaka! C'est la vipère qui a tenté d'empoisonner des hommes politiques à Athènes. Malaka! Voilà, malgré tous mes efforts visant à empoisonner mes ennemis athéniens, la peste a été une tueuse beaucoup plus implacable que moi. Peu importe, la lance de la Mystios m'a expédié vers mon propre Élysée de venin et de pourriture. Ici, sur mon trône fait de serpents, je bois dans un casque de serviteur déchu d'Hadès. Un fanatique au regard fou a emporté la ceinture de ce serviteur. Au sud d'ici, sous mon arbre préféré des enfers, il semble que nous ayons le même penchant pour les crochets de... et la vilaine Vélénie. Ok, donc on a une piste pour la ceinture. Donc là, c'est bourré de serpents, donc on va pas traîner. Parce que comme ça, on les voit pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des déchus? Qu'est-ce qu'on a? Non découvert. Epictos le prolix. Oh punaise. On va le marquer. Donc lui aussi il a un morceau de l'armure. Le casque il est sacrément moche, hein. Waouh. Elle va être belle comme ça, Cassandra. Alors, qu'est-ce qu'on nous disait ici? Non, c'est pas ça. Je me suis mis là-dessus, mais je n'ai pas fait ça. Mais si, non, c'est pas... Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Ah, l'empoisonneur déchu, Epictetos, ok. L'espadon et Deianeira, ok. Allure. L'autre il est loin. Alors on va regarder un petit peu le plan. Je sais pas pourquoi je suis sortie, j'aurais pas dû. Oui, ouais, on va aller s'occuper du point d'observation qui est là. Mais on va se laisser là. Ça fait 34 minutes. L'épisode dure 30 minutes environ. Donc on va se laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, seulement si vous aimez le contenu de la chaîne. Et à, je sais pas moi, à partager avec vos amis. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour du Assassin's Creed Odyssey ou du Assassin's Creed Valhalla, en attendant que je puisse reprendre des enregistrements sur Death Stranding, que j'ai pas oublié, et Injustice 2, que je terminerai. J'espère que tout va bien pour vous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne fin de matinée, une bonne journée, j'en sais rien. Bon courage à vous si vous travaillez, bonnes vacances si vous êtes en vacances. Je vous dis à bientôt, c'était Captain Price, Nawak.